Ils embellissent le mal avec de l'éloquence. En apparence, leurs mots sont clairs comme l'eau mettons. Comme l'avocat. Langage soutenu ou langue. Ok, salut à toutes et à tous, ici Fit Blue Boy. Alors, on se retrouve pour une petite vidéo et je vais vous parler de la 2.11, il me semble que c'est ça. Bah, c'est la dernière mise à jour en fait. Cette mise à jour, elle inclut le bestiaire. Alors, le bestiaire, ça nous indique où trouver des monstres qu'on cherche, qu'on cherche partout. Hein, donc, on peut savoir ce qu'on sait ce qu'on drop, le pourcentage de chance d'obtention, là, comme c'est écrit, avec notre prospection. Donc, vous voyez que j'ai 156 de prospection avec ce personnage-là. Et du coup, j'ai de 3,12% à 4,368% d'obtenir un fil résistant sur l'arachne majeure. Alors, sinon, avec la prospection de base, c'est-à-dire 100, pour les mini, il me semble que c'est 110, quelque chose comme ça, vous avez 2 à 2,8%, pardon. Alors, si vous cherchez à localiser donc où se situe cette sorte de monstre, vous cliquez là-dessus et ça vous indique les zones où vous pouvez les trouver. Alors, là on voit qu'il y en a à Brakmar, et puis dans d'autres zones, ainsi qu'à Bonta. Donc ça peut être vraiment vraiment pratique si par exemple vous voulez créer quelque chose, ça. Recette associée. Il vous manque, la touffe rousse du flib. Alors vous cliquez dessus, donc vous faites clic droit dessus, bestiaire, et ensuite vous avez accès sur la localisation du flib et le pourcentage de chance de dropper cette ressource. Alors vous avez la localisation. Et il me semble que le flib est essentiellement dans le donjon de l'Arche d'Automaille. Donc je regarde rapidement si c'est bien le cas, s'il n'y a pas d'autres zones cachées ou quoi. Donc, c'est bien que dans ce donjon-là qu'on peut dropper ses touches. Donc voilà. Et puis maintenant je vais juste vous parler brièvement de Free Ghost 3, car je n'ai pas encore fait les donjons, mais c'est juste pour vous montrer. Donc, Free Ghost 3, c'est ici. Et, une petite info, vous savez, il y a différents donjons. Et on les fait dans l'ordre qu'on veut. Mais, il y a un donjon qu'on doit faire à l'aide de, non pas à l'aide, mais on va dire, il y a un donjon qu'on doit faire, qu'on peut faire qu'en ayant fait les 4 autres donjons, il me semble. Donc, je vais faire une petite pause et je vais vous reprendre tout de suite pour confirmer mes liens. À tout de suite. Alors, j'ai pas trouvé tout ce que je souhaitais trouver, mais il me semble donc il y a 5 nouveaux donjons ou 4, et donc il y en a qu'on doit faire avant de pouvoir accéder à celui du comte Hambourg. Parce que je sais pas pourquoi c'est comme ça. Donc voilà. Alors, aussi, il y a du changement au niveau des corps à corps. Alors, par exemple, moi, l'épée carry, de frapper une fois avec l'épée carry, ça me demande 6 PA plus 1, et on peut l'utiliser qu'une fois par tour. Avant, l'épée carry, ça s'avérait vraiment super utile. Bon, c'est toujours vachement utile, mais c'est une utilisation limitée, alors, du coup, c'est moins simple, on va dire. C'est pareil au niveau des sorts. Il y a la suppression des maîtrises. Je vais voir avec vous à l'hôtel devant des documents. À moins que ce soit un bug ou je ne sais quoi, mais normalement ça a dû être supprimé. Voilà, ça a été supprimé, on peut plus avoir les maîtrises. Maîtrise. Parchemin de sort, maîtrise d'armes. Alors ça, je sais pas, permet d'apprendre
Le sang maîtrise d'armes. Bah ça, je sais pas du tout. Je sais pas du tout à quoi ça correspond. Là, je découvre en même temps que vous. Donc, si quelqu'un a une idée de à quoi ça correspond, eh ben, n'hésitez pas à me signaler. Aussi, petite information. Là, c'est par rapport à ma guilde. Donc, elle est passée niveau 21. Bah, vous pouvez voir tous les blacks, ce sont les personnages, ainsi que Tekona, Capif, Sultan et Taikak. Donc il y a, si vous voulez, on doit changer tous les noms et toutes les couleurs, enfin à part ceux des blacks, hein, mais on doit changer les noms de ces personnages-là, donc pour qu'on soit tous black quelque chose. Et les couleurs. Sauf qu'on a un souci, on n'arrive pas à acheter les origines. Et bon, peut-être que ça a été modifié depuis, mais on ne pouvait pas acheter par carte bleue. Donc voilà, on était un peu bloqué. Sinon, qu'est-ce que je pourrais vous dire de plus? J'essaye un peu de bosser sur le style des personnages. Bon, voilà, donc ça c'est un de mes personnages, donc c'est le personnage principal. Et donc là je vais faire une petite pause pour vous montrer un autre personnage qui est un peu comme lui quoi, niveau style. Et donc du coup je vous dis à tout de suite. Donc alors voilà mon autre personnage qui pour moi est assez beau hein. Mais du coup avec les couleurs de la coiffe et du familier, par exemple, on se rend bien compte qu'il y a un problème au niveau des couleurs. Donc voilà, c'est à peu près tout ce que je voulais dire. Voilà. J'ai enlevé ça pour qu'on voit mieux. Voilà. Et puis du coup, c'est pareil hein, pour les dagues. Je sais plus combien ça coûte en PA les dagues. Voilà, c'est 3 PA, mais c'est toujours 3 PA, mais on peut l'utiliser que deux fois par tour, pardon. Là, je vois qu'il y a aussi eu des changements au niveau des items. Donc pas ça, mais ça a changé. Et ça aussi. Voilà. On peut aussi constater que j'ai acheté tout ce qui est parapiote. Et puis là, c'est je sais plus comment ça s'appelle les. Voilà. J'ai un objet. Dissocié. Objet, bon. Bon. Donc voilà. Je remets ça. Et donc voilà, vous voyez un peu mon personnage. Donc celui-là, c'est le SRAM, hein. Vous l'aurez sûrement remarqué. J'ai aussi fait pas mal les attitudes. Bon, il m'en reste encore plein à obtenir, hein, mais voilà. Je sais plus à trop quoi dire. Est-ce qu'il y a eu des changements au niveau des émotes? Non. Ah oui, donc là aussi on peut voir que ça a changé hein, la présentation. Et je vais aussi vous montrer lors des combats, car ça a changé aussi. Enfin, ce qui a changé, mince, comment je pourrais dire ça? Ce qui a changé, ce qui. Attendez, je suis un peu. Ce qui a changé. Je sais même plus de quoi je parlais. Ce qui a changé au niveau des combats, en fait, c'est à la fin, vous allez voir, une fois que j'aurai fini. J'ai l'impression que la vie des pioux ont augmenté parce que je me rappelle pas avoir eu des pioux avec 120 de vita, hein. Non, ça me dit rien. Donc ouais, voilà. Alors c'est ça ce qui a changé, c'est différent. Je trouve que c'est assez esthétique. Mais bon, là il y a une flèche, je pense. Je sais pas trop à quoi ça correspond. Je pense que c'est par rapport à notre personnage pour bien le repérer. Enfin, je pense que c'est ça. Après, est-ce qu'il y a eu d'autres changements au niveau. Ah oui, bah alors là. Quand c'est dans le vert, ça veut dire que il n'y a pas besoin de monter plus en fait. Bah, je vais vous montrer par exemple avec avec mon élevage. Popo. Alors, hôtel de vente des animaux, voilà, c'est par là. Alors, on va voir. Ah, mais du coup, j'ai plus les trucs en transparence. Je vais me remettre en transparence. Voilà, fermé.
Alors on va voir avec elle, j'espère qu'elle a au moins un truc négatif, un truc positif. Alors, voilà, non, voilà pas. Elles non plus. Ouais, elles sont toutes bien les dragons. Ah non, j'ai. Ah voilà. Alors là, vous voyez, là, ça c'est vert, ça aussi, et pas ça. Donc ça veut dire qu'il va falloir que je monte donc l'endurance. Et une fois que ce sera dans le vert, dès que ça aura passé ce trait-là, ce sera dans le vert. Et du coup, eh ben, ce sera, ça m'indiquera plus simplement ce que. Là, ça m'indique plus simplement ce que je dois monter et puis si elle va être valide ou non. Alors vous avez constaté que j'ai quelques dragons d'Inde là, que mon élevage il vient pas trop mal. Et donc je vais en profiter rapidement pour vous montrer tout ça. Donc voilà. Je fais un petit tour rapidement, hein, ça va être bref. Ah oui, aussi on peut ça c'est les statuts, donc ça nous dit si on peut être, si on est disponible, absent, absent, absent quoi. Ah, la raison de l'absence. Enfin bref, voilà, donc c'est pas mal, je trouve, c'est pas mal. Donc voilà, là j'ai toujours d'autres dragodins. Ici aussi. Bon bref, j'ai des dragodins un peu partout là. Et puis donc voilà, je pense que cette vidéo va être terminée. Et puis voilà, bah j'ai rien d'autre à vous montrer. Enfin, il me semble que j'ai rien à vous montrer pour le moment. Ah non, j'ai rien de spécial d'autre à vous montrer. Donc alors écoutez, moi ce que je vais faire, je vais vous laisser là. Je vais vous dire à très vite pour une nouvelle vidéo, du moins j'espère. Et à la prochaine. Salut!